Bien, bien, ça m'a beaucoup plu. Il y a autre chose que j'aimerais beaucoup, c'est que tu t'en ailles et que tu me laisses travailler tranquillement. Mais je suis dans les 10 premiers ou bien... Enfin, je suis meilleur ou pire que les autres candidats du casting? Eh bien, c'est ce que vont décider les producteurs, alors on t'appellera, ça va? Au revoir. Mais je peux attendre dehors? Non, on t'appellera plus tard. D'accord. Mais vous pensez m'appeler au restaurant, sur le fixe ou sur le portable? C'est juste sur le trois. Bon, bon, j'ai compris, je m'en vais, ne vous fâchez pas. Je laisse la porte ouverte ou... S'il te plaît, ferme la porte. Vous allez m'appeler. La porte. D'accord, ciao. Francesca, tu as vu Léon, non? Un problème? C'est Federico le problème. Quoi? Il m'a dit que j'étais très jolie et... Federico est tombé amoureux de toi? Federico a voulu m'embrasser. Oh! Oui. On était devenus amis, tout allait bien et il a changé d'un coup. Ou alors je lui plaisais depuis le début. C'est Léon qui avait raison. Il a des sentiments pour moi, alors que moi non, et je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Mais tu n'as pas poussé Federico à t'aimer? Non, 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 on peut pas dire ça. Je pense que il s'est trompé sur ce que je ressens pour lui. Écoute, il faut absolument que je parle à Léon. C'est ça. Vas-y. Je suis là. Léon, je n'aime pas te voir aussi distant avec moi. J'ai besoin de toi. Je n'aime pas ça, moi non plus. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu n'aurais jamais encouragé Federico. Alors, il n'y a aucun malentendu? Non, aucun malentendu. Il y a une fille au milieu, n'importe quoi. Et c'est moi qui serai au milieu. Non, désolé, au milieu, il y a le leader, c'est-à-dire moi. Arrêtez, c'est idiot, n'importe qui peut être au milieu. Ah, même si c'est pas un élève du studio? N'importe lequel d'entre nous, Andrés. Dites, moi ça me donne le vertige quand je pense à ce qui va se passer dans ce jeu. Ils vont seulement en prendre 8 parmi ceux qui se présentent. De 8 candidats, on va passer à 4. Et en finale, il n'en restera que 2. Qu'est-ce qui se passera pour celui qui gagne? Ils vont le couper en 2 morceaux? Calme-toi, André, sinon tu vas brûler le dernier neurone qui te reste. Maxi! Maxi! Maxi, j'ai besoin que tu m'aides pour la chorégraphie parce que je... Bah ça alors? Impressionnant, hein? Waouh, je pensais pas que ça irait aussi vite. Eh ouais, les producteurs ne perdent pas de temps. Hier, ils ont déjà publié sur Internet des vidéos pour que tout le monde les voit. Ah bon? Oui, regarde. Et tu comprends? C'est celle chantée par Rafa Palmer, ouais. C'est lui qui l'a composée. Que sepas que podrás hacerlo ahora o nunca a vivir lo intenso. Saca tu estrella, este es el momento. Hoy lo vas a alcanzar, hoy vamos a cantar. Grita fuerte que tienes el talento. Canta, vas a brillar. Abre tu corazón al universo. Anímate a soñar, hoy no te detendrás. Mira, el show comienza. Tu corazón palpita con más fuerza. Solo anímate a vivir la fiesta. La luz te seguirá, tu sueño es real. Grita fuerte que tienes el talento. Canta, vas a brillar. Abre tu corazón al universo. Anímate a soñar, hoy no te detendrás. Grita fuerte que tienes el talento. Quoi tu penses là? À rien. Alors on va répéter? Oui, d'accord. Ok, des bananes, des oranges, du lait et quoi d'autre? Lucas, tu m'écoutes? Oui, oui, je vérifiais que le volume ne soit pas trop bas. Chut. Mais tu appelles qui? Personne. Je vais voir si je n'ai pas de message sur les répondeurs. Pourquoi tu ne lâches pas ton téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on doit m'appeler suite au casting que j'ai fait pour être l'animateur du concours. Non, je savais pas que tu t'étais inscrit. Oui, et je crois que j'ai été génial. Les producteurs n'en revenaient pas parce que j'ai raconté des blagues, j'ai décoré quelques ballons, j'ai fait des tours de magie et ensuite j'ai chanté devant Marotti a cappella pour l'impressionner. Écoute ça. Vieni, canta, dammi la mano, cura la ferita e cerca la tua melodia, andiamo.